comment ça va se passer. Allez, voilà qui s'élance. Il y a un cheval qui est resté dans sa stalle. Malheureusement, en dehors, c'est Victory Queen. Ouais. Pendant ce temps-là, très bon départ pour les concurrents comme le numéro 4, qui, pardon, le numéro 3, Tutti, qui s'est rapproché tout de suite, qui vient au commandement avec le 6 Nymphco. Le long de la corde, il y a Stemster, le numéro 12, qui s'est bien rapproché. On essaye ensuite de venir se placer avec le 14 Winston Wolf, suivi encore également par des concurrents comme David The Diva, alors que les concurrents se dirigent déjà vers le virage, et ce, à vive allure. Ouais, c'est fini pour Victory Queen, qui est trop mal parti. C'est également très mal parti pour Mayella, le numéro 11, qui se retrouve attardé au loin dans le peloton. Avec le numéro 3, donc Tutti, qui a l'avantage dans cette épreuve. En deuxième position, on retrouve le 6 Nymphco, qui est calé dans son sillage. L'As qui vient à l'extérieur, Some Night, c'est pas mal. Là, il est parmi les chevaux de tête, avec également le numéro 12, Stemster, qui est également bien placé. Où se trouve Folkwood, le favori, la casaque noire, eh bien, il attend en 9-10e position, plutôt en dehors. Oui, le 14 Winston Wolf est toujours là, bien placé. 7-8e, Snowdrop a un peu de ressources et se retrouve 8-9e. Dana Rosa est à flanc de peloton. Pas de changement pour le 3 qui mène toujours le bal quasiment depuis le départ. Tutti en deuxième position, il y a l'As Some Nights. Un petit peu plus loin, quelques concurrents comme le numéro 9 qui faiblit, David The Diva. On cherche l'ouverture avec le 14 Winston Wolf. On cherche l'ouverture avec Snowdrop. Dana Rosa est en épaisseur et tente de venir. Oui, toujours deux concurrents à la lutte, Tutti et Some Nights. Tutti qui redémarre bien sous l'attaque de Some Nights, le numéro 1. On progresse vite à l'extérieur avec plusieurs concurrents, avec le numéro 7, notamment Dana Rosa qui vient de plus en plus vite sur les chevaux de tête. On n'est pas très heureux avec l'As Some Nights. Le 8 également qui finit vite en dehors, c'est Snowdrop, avec le numéro 7 qui prend maintenant l'ascendant. Dana Rosa qui va s'imposer devant le numéro 8 à l'extérieur, Snowdrop. La troisième place sera jugée le long de la corde avec le 12 Stemster et le 3 Tutti. 7, 8, 12 et 3, c'est l'arrivée chiffrée de cette compétition. Dana Rosa et William Mongil qui sont venus en épaisseur à l'amorce du tournant final.